Et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Arx Fatalis, où du coup on est à côté des golems, où vous avez pu le voir dans l'ancien épisode où j'ai fait un combat épique contre lui. T'as un problème, hein? Tu veux qu'on se fight? Bon, du coup on va continuer notre inexorable expansion territoriale dans le monde de Akbaa, parce que on je vous rappelle, on est dans son donjon, c'est fermé. C'est fermé. Pourquoi pas? Enculé. Alors oui, c'est la clé, d'accord, mais c'est la clé de quoi? Il a ouvert quoi? Cette porte, peut-être? Ah, le numéro. Le numéro gagnant est donc 113. Ok. 113 ou 133? 113, hein, 113. Merde. Numéro 113. On va peut-être s'allumer une torche parce qu'on voit pas grand chose. Voilà. Donc 113. Et ensuite. Bon. D'accord. Donc le code d'accès 113, d'accord, c'est parfait. Donc j'ai mis la clé du type. Oula. Ah, c'était piégé. Donc il y en a une qui... Il y a une porte qui ferme l'autre. Mm-hmm. Donc là on a 1113, c'est activé. Ça se trouve la porte... C'est ouverte. Si ça se trouve la porte c'est ouverte. Attends. Non. Et ça marche pas, Ruine. À un moment donné, il va falloir que tu réfléchisses un peu plus. Donc alors attends, le cœur de la clé c'est le golem, j'ai mis... Viens. Viens. Ah, bah viens. Allez, viens. Nous allons te positionner ici. Viens à moi, au puissant golem, où je sens ta puissance émaner de ton cœur. Viens à moi jusqu'à cette plaque de pression pour que tu puisses enfin, avec ton poids sublime, nous montrer ta grandeur. Bien, merci beaucoup. La porte est ouverte, sauvegarde automatique. Ok, donc peut-être que la porte là-bas s'est ouverte. Peut-être ou peut-être pas. Si ça se trouve, j'ai oublié peut-être un truc. On nous a dit qu'il en fait un levier en cachait un autre. Attends, c'était ça le terme technique. Souvenez-vous, la première verrouille la seconde. La première verrouille la seconde. Donc, la première a verrouillé la seconde. Alors attends, donc j'ai activé le truc. Le code d'accès, hein. Non. La première verrouille la seconde. Ok. Ok, ok, ok. Alors si ça se trouve. Non, ça, je verrai peut-être que je la verrouille. Alors, si ça se trouve. En verrouillant celle-là, en déverrouillant celle-là, cela m'a ouvert la porte. La grande question est, est-ce que Ruin va ouvrir la porte aujourd'hui? Putain, tu vas t'ouvrir. Donc, le secret est dans les papiers. Souvenez-vous, la première verrouille la seconde. Mais quoi? Ok. Ce cœur est une des clés du système de sécurité. Prenez-en soin. Ouais. Sachez que votre code d'accès est 113. Le champ de protection ne devrait pas poser de problème pour vous. Frère Patrizio et Frère Pascal, vous nous aiderons pour neutraliser les autres systèmes de sécurité. Les autres systèmes de sécurité. Le code d'accès est 113. Voilà, 113. Ok. Bon, je vais essayer toutes les combinaisons possibles et inimaginables. On va faire ça. Donc là on a un golem, mais je vais pas le taper parce que sinon ça va durer 40 ans.
peut-être que la porte est ouverte. Non. À mon avis, il y a un petit coffre à la con à découvrir. Donc ça, c'est désactivé, ça s'est activé, ça dit rien. Il n'y a rien. On a un golem ici. Si je lui dis de venir. Ah, ben oui, d'accord, c'est ça. Tu peux pas t'en aller, mon petit, biquet. Ça se trouve, la porte verrouille l'autre. Ça se trouve, c'est celle-là de porte. J'ai presque envie de le taper, mais. Ok, allez, viens. Tu m'excuses, hein, mais oh, tu me prends de la place. Peut-être que c'est pas ça du tout. Mais si la première porte est verrouillée. La première porte verrouille la seconde. C'est ça le truc. Si ça se trouve, c'est ça. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est bon. Ça, c'est pas activé. Alors, attends. Que c'est activé, d'accord. En fait, il faudra que je ferme la première porte. Je vais essayer de le retaper. Ça, je vais le remettre normalement. Peut-être que. Eh bien. Non, ça marche pas. Ah, oh shit. Ça marche pas. Non. Ça marche pas. On va rester calme. Ça marche absolument pas. Donc ça, ouais, bah écoute, on va laisser activer. Hein. Ah, attends. Ah, ça se trouve, la première porte verrouille la seconde. Aïe, 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 aïe. Quelle est cette chose? D'accord. Donc nous avons activé en version un petit peu Tomb Raider là carrément. Nous avons activé quelque chose. Donc la première porte, voilà, la première porte verrouille la seconde. Donc en fait, il faut fermer la porte et ouvrir la seconde. Voilà. Aussi con. Aussi con que cela. Si je dis pas de bêtises, c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille. Voilà. On sauvegarde. On a une fiole de sang là. Avec un bruit dégueulasse. Et du coup. Ouais, on peut passer par là. Dans les profondeurs insondables des entrailles du monstre. Ça a l'air d'être bien dégueulasse tout ça. Pourquoi vous êtes là, car... Bonjour. Orbi Planax a donc eu le temps de contacter le Loden. Oh putain, je connais cette voix. C'est son apprenti. Mais votre présence ici est un grand encouragement pour nous. Cela prouve que nous avons enfin le pouvoir de faire venir Akpa ici, qu'il est plus puissant que jamais. Je vais d'ailleurs vous donner un aperçu de son pouvoir. Gardez-nous de mon chéri. Nous continuerons cette cérémonie. Inra Nika Damra. T'as un fossile de météorite, connard! Oulala! Oulala! Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala! Là, 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 là. Je suis un peu bloqué là! Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être casser la météorite. Ah, je peux pas. Ouch. Ah. C'est quoi cette merde?
Il me faut une arme plus puissante. Tiens. J'espère que ça va pas prendre autant de temps que le golem. Tiens. Ouh là là, c'était un Merci boss beaucoup. Bonjour. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Agba n'aura rien à manger aujourd'hui. C'est génial. Ce que vous avez fait pour moi. Agba n'aura rien à manger aujourd'hui. C'est génial ce qu'il fait. Très bien. Je casse la météorite. Ah, incroyable. Ah, ça a l'air d'être balèze. Un bouton dissimulé. Petite question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je vais aller faire un petit tour. Dans les entrailles de la monstruosité, on a un petit objet là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Système de sécurité. Sortie de secours. Ah d'accord, c'est une sortie de secours. Ah, manifestement pas au point. Manifestement pas au point. Ouais. Ah, sortie de secours. On est où là? Ah, c'est pour revenir là. D'accord, ok. C'est intéressant. Oui, bah oui, mais ensuite F4, metteur résistant mon contact. Je vais en parler à Felnor et voir ce qu'il en pense. Felnor, c'est l'alchimiste du. L'alchimiste du roi. D'accord. Mais où ça mène ça? Non, me dis pas que. Me dis pas que c'est chez les gobelins. Pitié, oh maître. Il m'a menacé. Non, pitié. Allons, Herzog. Tu sais bien que nous devons tous participer à la cause par nos faibles moyens. Mais rassure-toi. Je sais qui tu es, mon ami. Ton sacrifice ne sera pas vain. Oh merde. Oh, c'est chez les gobelins. Alors, ça tombe bien. On va pouvoir être un peu plus rapide. Oh là 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 là. Il s'en passe de ces choses dans Arx. Donc on va être un poil plus rapide. On va aller voir Greu et utiliser le téléporteur. Ce qui va grandement nous augmenter notre vitesse. Notre vitesse de voyage. Putain qu'à faire, on va sauter comme ça. Ça fait un... Ouh, ça fait un peu mal. Bon allez, la ville d'Arx. Ok, très bien. Ah tiens, est-ce que c'est ouvert ça? C'est fermé. Genre. Bonjour madame. Je suis désolée, mais je ne vais rien pouvoir vous vendre aujourd'hui. Je ne suis pas bien. Je vais devoir fermer mon échoppe maintenant. Vous avez besoin de l'aide du guérisseur? Non, je ne suis pas malade. Je ne vais pas bien parce que ma petite fille Shani a disparu depuis hier. Oh merde, la je petite ne sais Shani. Pas où elle a pu aller. Disparue? Elle jouait de l'autre côté de la place, près de la bijouterie. Et elle n'est jamais revenue à l'échoppe. Personne ne l'a vue. Et les gardes sont bien trop occupés avec cette menace illicite pour s'en charger. Je vais essayer de comprendre ce qui est arrivé à votre fille. Oh, merci. Vous êtes un envoyé des dieux, voyageur. Bah, c'est un peu le cas, hein. Malheureusement. Ah, la petite Shani qui a été enlevée. Tu sais pas où elle est, toi? C'est réconfortant de vous voir, gardien. Ok, bon. Je vais avoir grandement besoin de... Ah tiens, j'ai plein d'objets à vendre. Excusez-moi, je vais prendre mon temps. Je vais vendre un petit peu des objets.
pouvoir enfin avoir cette magnifique armure Ilseed. Il m'en faut une d'armure Ilseed. Putain, tout est fermé ou quoi là? Eh les gars, vous faites quoi là? Bon, tout est fermé. D'accord, donc je vais aller directement au château. Je cherchais le terme technique. Donc je vais aller directement au château. Je vais avoir fait le nord. S'il y a que ça à faire. Tout s'accélère, on dirait là. Tout s'accélère. Tout s'accélère, mais la moitié de l'exploration n'a pas été faite. Felnor, il y a pas plus fort que toi, Felnor. Et puis il va falloir que je me passe des potions de guérison. Bonjour. Shinkash. Oula. Quel est le lien entre le roi et votre ordre? Cela ne concerne pas votre quête, gardien. Oula, sachez simplement que toute dette doit être honorée. Le roi détient-il quelque chose qui vous appartient? Le traité, le roi devra respecter le traité, voilà tout. Oula, il se passe un truc entre le roi et les femmes serpents. J'ignore totalement ce que c'est. Mais il est où, Felnor? Oh, il y a de la poudre blanche. Il y a pas mal de poudre là, là. Je récupère les potions de guérison, ça dérange personne. Il va falloir que j'aille chercher mes autres poudres. Bonjour, excusez-moi. Où est Felnor? On va pouvoir se faire quelques potions. J'ai plus de potions de soins et ça peut être grandement handicapant pour la suite des hostilités. Majesté, ah. Notre avant-poste a été attaqué par les Ilseed. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de survivants. Ah merde! De plus, nous n'avons pas retrouvé tous les corps. Peut-être ont-ils été enlevés. Diantre! Diantre! Où ont-ils pu être emmenés? Nous n'en savons rien. Ils ont été rapides et impitoyables. Ils sont redoutables, sire. Je suppose que ces Ilseed font partie du culte d'Akba. Sous les ordres d'Iserbius? Je n'ai pas vraiment de preuves. Mais on a commencé à entendre parler d'eux avec l'apparition du culte d'Akba. Hein? Et il y a autre chose. Suiberis a quitté le royaume récemment. Il a dû sentir que nous allions découvrir toute la vérité sur lui. Quelle vérité? Suiberis et Iserbius ne font qu'un. Et voilà. C'est lui, le commanditaire du meurtre de Phalan. Je comprends maintenant pourquoi Iserbius m'attendait au temple. Il savait que j'allais venir. Alors vous l'avez combattu? Enfin une bonne nouvelle. Amshagar, dites-moi que vous avez définitivement détruit la source du mal. Eh ben non. Non, je n'ai pas pu détruire la statue. C'était comme si elle drainait mes forces. Diantre, comment cela est-il possible? Felnor, comment expliquez-vous cela? Je redoutais cette hypothèse. La pierre est maintenant en résonance avec Akba, et le canal de puissance draine votre énergie magique et physique pour la transmettre à Akba. En fait, en la touchant, vous avez envoyé une partie de votre propre énergie à notre pire. Ah, ça c'est un peu con ça. Je crois comprendre, Felnor, mais même mes meilleurs hommes ont toujours échoué dans cette quête. Amshagar n'est pas votre meilleur homme, sire. Il est un gardien, un envoyé des dieux. Même si mes chances de réussir sont infimes, je détruirai cette statue. Votre seule chance est de ne pas subir le drain d'énergie vitale et magique occasionné par le météore. Pour ce faire, lors de la guerre des mages, le royaume de Arx avait reçu un objet magique de grande puissance de la part de l'ordre des Dernéum. Ah bah d'accord. Sans lui, nous aurions probablement perdu cette guerre. Cet artefact légendaire était constitué de deux parties, Kraoz et Zoark. C'est quoi ça? Un magicien en possession de ces deux parties était capable de résister à n'importe quelle tentative de drain d'énergie. C'est grâce à cette protection que la guerre fut gagnée. Bien. Il suffit alors de me donner cet objet. C'est là que réside toute la complexité de la chose. Ah, d'accord. En effet, lorsque cet objet nous fut confié, un traité fut signé par Poxelis, le père de notre actuel roi, avec l'ordre des Dernéum. Ce pacte stipulait que nous devions rendre l'artefact à l'ordre lorsqu'il le réclamerait. Et alors? Alors, il y a de cela 20 ans, un groupe de rebelles surgit d'on ne sait où, a tué ma femme et enlevé ma fille. Ah merde! Juste de naître. Ils eurent également le temps d'emporter Kraoz avec eux. Heureusement, nous les empêchâmes de voler Zoark. L'ordre intervint quelques heures après et réclama la restitution de l'objet entier. Nous ne pûmes que leur donner Zoark, et depuis les femmes serpents
nous réclame d'honorer notre pacte et de retrouver Kraoz. Nous n'avons jamais localisé ces rebelles. Nous ne savons même pas s'ils sont encore dans Arx, car ce fut la seule fois où l'on entendit parler d'eux. Toutefois, l'Ordre nous a assuré qu'ils sentaient encore la présence de Kraoz dans la forteresse. Donc en fin de compte, je vais aller la chercher, quoi. Kraoz et Zoark. Maintenant allez, Amshagar, et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraoz et Zoark, et détruisez cette maudite statue. Oui, d'accord, mais tu peux pas me dire plus sur Kraoz et Zoark ? Parce que, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit, là ? Faut que je trouve Kraoz et Zoark afin d'éviter que ce mana soit drainé par le météore. C'est la seule façon de le détruire et d'empêcher l'arrivée d'Akba sur Arx. Ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, allez, Amshagar. Hâtez-vous et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraoz et Zoark. Et détruisez cette maudite statue. D'accord, super, merci à vous les amis. Bon, alors je vais faire quoi, moi ? Bon, bah, du coup, je pense qu'on va donc aller un petit peu à l'aveuglette. Je vais aller enquêter par hasard sur la disparition de cette petite gamine, la Shani. Je pense, ça pourrait être intéressant. Là-bas. Salut l'ami. Ah putain. J'ai oublié de faire les potions de guérison. Bon, on va dire qu'on va pas en avoir besoin. Hop là. On va dire qu'on en aura pas besoin. Tant pis. Non, ça s'ouvre pas. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais commencer les recherches. Alors, elle était là. Elle a peut-être fait quelque chose. C'est vrai qu'il y avait des gonzes là. Laissez-moi tranquille ou j'appelle les gardes. Ah, la porte est ouverte. Pardon, garde. Excusez-moi. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Un livre. Maintenant que nous avons trouvé une offrande précieuse pour notre dieu, nous allons pouvoir réaliser le rituel. Vous attendrez demain à 10h près du pilier des serpents du niveau 4. De là, vous guiderai-je à la chambre secrète pour appeler les 500 fils de la bête. Faites bien attention à ce que personne ne vous suive. Tiens, tiens. Oh, 251 pièces d'or. 251 pièces d'or. Que je vende un peu, moi. Ah, là pareil, ça a été. Ok, je bois l'eau. Est-ce que du coup le banquier, parce que je crois que c'est un banquier ça, ou un bijoutier, est ouvert? Ah, bah voilà, salut. Bienvenue dans ma bijouterie. Mon nom est Tafioc. Tafioc. C'est quoi ce nom? Admirez les marchandises exposées dans mes coffres. Servez-vous si vous désirez acheter quelque chose, ou déposez les objets que vous voulez vendre, et je vous ferai une offre. Ok, pas de problème. J'ai pas mal de trucs là. En l'occurrence, des émeraudes, des diamants. C'est quoi ça? Un anneau maudit d'offrande. Ça t'intéresse? Putain, un cœur de golem. Vas-y, tiens, prends. Tout ça, pareil. Si j'avais su à quel point ça coûtait cher. Et je vais peut-être garder l'amulette de troll que m'a donné Greu. Parfait, merci à vous, très cher. Je vais peut-être aller réparer une de mes armes aussi. Ça pourrait être intéressant. Alors on reste un petit peu dans la ville d'Arx, hein, je m'excuse. Je m'occupe un petit peu de tout ce qui est... tout ce qui est agencement de mon inventaire, quoi. Salut, toi. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels? Je vous ai dit tout ce que je savais, Amshagar. Bon, d'accord. J'ai un indice, de toute façon, près du pilier dans le niveau 4. Le niveau 4. 265. Tu peux me le réparer?
comme neuf. Merci. 372 pour le réparer, ça me coûte combien de le vendre? Ah putain, je perds de l'argent. Bon, c'est pas grave. C'est pas rentable. Magnifique plastron. Putain, ça serait intéressant que je me le prenne. Classe hein. D'armure plus 7. Ah, j'ai pas. Ah, si, j'ai assez pour m'acheter la complète. Ouh là 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 là. Non, là, attends, je réfléchis. Les pierres d'Akba, là, j'en ai 3 en plus. Alors, je sais pas à quoi ça sert ces pierres. Je vais les mettre là. Je sais pas à quoi ça sert ces pierres. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Alors, j'ai plein de dagues. Des dagues qui, mine de rien, nous rapportent pas mal de fric. Alors, j'avais un autre truc là. Dommage. Rien à vendre. Je vais m'acheter cette armure. Je vais m'acheter cette armure qui me paraît grandement balèze. Oh là 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 là. Tiens, je te vends ça. Et les jambières. Fais voir. Oh là 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 là. Le chevalier par excellence. 27 en classe d'armure. Le bouclier. Un sabre, j'ai un bouclier aussi. Ah ouais, c'est pas mal. 7, 14, 21. J'ai 21 plus ces 68 là. J'ai une armure complète, les amis. J'ai une armure complète. Alors, il faut que j'aille au niveau 4. Enquêter sur. Pardon, monsieur. Enquêter sur le. Alors, attends. Niveau 4. J'y suis même pas allé. C'est quoi ça? Alia. Ah, d'accord, ça me note. À partir du niveau 4, je suis allé nulle part. C'est où le niveau 4? Je réfléchis. Ah, ça y est, je sais. Ça y est, je sais. Faut que là, il faut que nous allions dans l'antre de l'araignée. Et en fait, il y a un endroit qu'on n'est pas forcément allé. Je vais m'allumer une torche. Un endroit qu'on n'est pas forcément allé, c'est. Rappelez-vous, c'est un endroit où il y avait des trolls. Un troll qui barrait le chemin. Et justement, il va falloir que nous y allions. Un rat? Ok. Bon, les côtelettes, on s'en fout un peu. Putain, c'est quoi ce bruit? Ça fait déjà deux épisodes qu'on entend ce bruit ignoble. Ok. Très bien. Allume la torche. Oh. Ah, il y avait une autre torche là. Récupère là. Nous revoilà chez les gobelins. Il y a un gobelin qui pêche. Salut. Ouh, toi tu mériterais que je te tue. Je pense qu'un de ces cas, je vais avoir le kiff d'aller dans la ville goblin et de tuer tout le monde. Tu vas sentir mauvais dans la bouche. Oh. Ouais, c'était là-bas que j'étais pas allé. Des fougères. Même si j'en utilise rarement, ça se récupère. Voilà, donc c'est bien là-bas que je suis pas allé. Malheureusement, ou fort heureusement. Et là, si tout va bien, c'est le niveau 4. Voilà, fais voir. C'est niveau 4, ok. Donc ça serait là qu'il y aurait le rituel pour Alia. Ok. Y'a un rat. Voilà. Y'a un rat. Tiens. Là où il y a le serpent de pierre. Attends, y'a plus qu'à le trouver. Je relire le bouquin. C'était celui-là. Je vous attendrai demain à 10h près du pilier des serpents du niveau 4. De là, je vous guiderai à la chambre secrète pour appeler les 500 fils de la bête. Faites attention à ce que personne ne vous suive. Donc il faut que nous trouvions le. Une statue de serpent. À part des rats, je vois pas de serpent moi. Là-haut, on pourra sauter aussi, mais bon, il va falloir peut-être un.
Y'a un autre A quelque part? Y'a un autre A quelque part? C'est quoi ça? C'est pas ça la chambre du rituel? Oh putain, merde. Le spoil! Bon, pas grave. Je vais essayer de... choper cette fameuse statue du serpent là. Donc là-bas, je suis pas allé, mais j'irai plus tard. Là. What? Putain, c'est quoi ça? Ah, il m'a fait mal! Putain, il m'a empoisonné comme un porc! Putain, il m'a fait super mal! Ah, négation des... Putain, c'est dommage que j'ai plus une négation des champs. J'en ai pas un qui traîne, là? Ah, si. Voilà. Oh. Elle est énorme, cette grotte, là. Oh là là, c'est quoi, ça? Putain! C'est quoi ça? Oh, mais il fait super mal! Oh. The fuck? J'ai fait une mauvaise rencontre là. Ah là là, faut toujours recommencer. Aïe aïe aïe, faut toujours recommencer. Aïe aïe aïe. Ouch. Bon, j'avais pas découvert grand chose à part quelques rats. Donc on va aller directement là-bas. Putain, mais c'était quoi cette merde? Est-ce que c'était un Ilseed? Putain, il m'a mis en position latérale de sécurité. Même avec une armure complète de plate, il m'a fait hein? Des pièces d'or. L'avidité, l'avidité, mes amis. L'avidité. Oh, putain, il m'a fait un champ de pièces. Attends. Ouais, c'est peut-être pas intéressant, je les récupère toutes, hein. Il y a un coffre là. Un gobelin. Ah oh, ouais, trois gobelins. Oh merde. Moi, couper ta tête. C'était un piège. Des putains de pillards. Ah ouais. Bon, bah écoute, c'était gentil, hein. Moi, couper ta tête. Ils étaient cachés. Tiens, c'est quoi ça? Une porte. C'est fermé. C'est fermé. Les anciennes mines Gungnen, en fait, hein. On est en plein dedans. Putain, c'est labyrinthique, hein. Tu peux y aller, hein. Y a pas grand chose. Faut quand même bien fouiller quand même. Faut dessiner la carte. Ah, ma torche est foutue. Y'a un rat. Voilà. Y'a plus de rat. Putain, y'en a combien là? Putain, j'ai entendu encore cette merde là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je crois que c'était un homme rat, mais je suis pas sûr. L'exploration commence à devenir dangereuse. Ah! Ah! Le truc serpent! C'est donc ça? Putain, ça mène où ça? Attends. Le truc serpent. Ah 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 ah. Tiens tiens.
Ils vont où comme ça, ces putes là? Je vais peut-être avancer doucement avec eux. Je vais aller doucement quand même. On sait jamais. La discrétion. La discrétion, mes amis. Doucement. Hey, vous là-bas. Merde. Vous, je crois que quelqu'un m'a vu. Ouh là là. Ah ouais. Messieurs. Hey, tu vas mourir. T'es costaud toi. Oh, des anneaux, dis donc, c'est riche hein, tout ça là. Alors attends, on va avancer tout doucement. Il est bugué. Il y en avait un quatrième. Ils ont des colis en tout cas. Oh, il est parti où l'autre là? Il est parti où l'autre? Oh merde, j'ai paumé. Ah putain, est-ce que ça c'était pas l'endroit de... Oh, regardez ce qu'il y a là-haut. Non, je suis un peu loin. Ah, c'est là que tu veux. Non, c'est trop bien. Voilà, tu vas d'en haut. Par contre, il est où l'autre? Il doit en rester un, je pense. Putain. Ça sera pas l'endroit où j'ai découvert le passage secret. Au secours! J'entends un au secours. Ah, Laura, c'est à cause de toi. J'entends un au secours. Ouais, je sais pas où il est, Laura. Putain, il est où? Non. Ah, il y a une bestiole. J'ai vu une bestiole. Ah ouais. Ouh là 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 là. À nous deux. Vite créature. Ah joli. Tu es balèze. Mais pas autant que moi. Tiens. Ah, j'espère que c'est pas de l'acide. Ouch. Alors c'est pas de l'acide, je pense pas. Tiens. Le combat ultime. Ouch. Vite, potion. Parce que sinon on va mourir. Attends, merde, je me suis un peu flanté là. Dans d'atroces souffrances, où tu vas? Tiens. Et tu vas mourir. Putain. Oups, je crois que tu t'es un peu planté. Mais... Ah, mais c'est, ça s'appelle de la téléportation, ça. Merde. Tu viens ou pas? Tiens. Ah. Ah, putain. Mais la petite. Vite. Il faut aller sauver la petite. Il est où? Enfin, elle est où? Ah, tu m'emmerdes, Laura, je sais pas où t'es.
Putain, j'espère qu'elle a pas été mangée. Oh non, merde. Ah, protection totale. Oh, c'est bon ça. Ah oui, c'est très très bien. Ça me donne plus 10 en classe d'armure. Merde, par contre, elle est où la petite? C'est fermé. Merde, c'est fermé. Des instruments de sacrifice. J'en prendra, on sait jamais. Où elle est, la petite? Putain, j'espère que je suis arrivé à la sauver. Comment je peux atteindre le téléporteur là-haut là? Bon, je vais retourner à la ville, à moins que je continue mon exploration. Peut-être bien trouver un autre téléporteur quand même. On va continuer un petit peu l'exploration, les amis. On va, dès qu'on retrouve un téléporteur, on va direct à la ville. C'est qui ça? Salut. Ah, c'est pas celle que j'ai sauvée. Salut mon ami. C'est un plaisir de vous revoir, étranger. Moi de même. Je ne connais pas votre nom et en ce qui me concerne... Et si nous conservions tous deux une part de mystère? Je recherche un objet magique détenu par un groupe de rebelles afin d'arrêter ceux qui vous ont enlevé. Intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de cet objet magique? Oh, toi tu sais quelque chose. Traos. Il appartenait au royaume de Arx. Il doit être combiné à Zoark pour déployer son plein potentiel. Suivez-moi. Ouch! Sale chienne! Ah, il se réveille enfin. Rebonjour, Amshagar. T'es qui, bordel? Où suis-je? Vous connaissez mon nom? Tu es dans le camp de ceux que tu appelles les rebelles, Amshagar. Et sache que tu as en face de toi leur chef. Quoi? Tu es à la tête de ceux qui ont volé Kraos, tué la reine et kidnappé le bébé? Il ne faut pas croire si facilement tout ce qu'on raconte. C'est souvent très loin de la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas cette histoire qui t'a conduit chez nous, n'est-ce pas? C'est juste. Je suis ici parce que j'ai besoin de Kraos pour détruire le culte d'Akbar. J'ai moi-même essayé d'enquêter sur le culte d'Akbar, ce qui m'a mise en bien fâcheuse posture. Quant à Kraos, nous le conservons ici pour le protéger des voleurs. Je peux te le confier, mais en échange, il faudrait me retrouver un objet d'égale puissance qui serve ma cause. Pourquoi me faire confiance? Je pourrais tout révéler au roi? Pour moi, tu es avant tout la personne qui m'a sauvé la vie. Tu es manifestement aussi le plus grand ennemi du culte d'Akba. Ouais. Nous devrions pouvoir nous entendre. Mais si tu me trahis, tu mourras. N'aie crainte, je ne te trahirai pas. Quel est cet objet que tu veux que je retrouve? Une vieille légende parle d'un objet appelé le bouclier des anciens. Ce bouclier des anciens était avec un grand guerrier il y a de nombreuses années. J'ai envoyé quelques expéditions à la crypte pour le récupérer, mais aucune n'est revenue. Ramène-le-moi et je te donnerai Kraos. Je vais voir ce que je peux faire pour ramener ce bouclier. Ouh là là, putain, la vache, elle sait ce qu'elle veut, la garce, là. Voilà, il y a beaucoup à lire. Hein. Je mettais pause. Mettez pause. Du pain, du vin, de l'eau, des fioles. Fioles, enfin ouais. Ta fiole de soin, ouais, c'est des fioles. Hein, parce que je me fais assez malmené par certaines personnes. Non, mais pourquoi tu dis fioles? C'est fiole, c'est ta fiole de soin. Tout à fait. Oh là, mais on est où là? Oh, mannequin d'entraînement. Ils sont sous la ville d'Arx, quasi sûr. Salut. J'ai un œil sur toi. Alors pas de coup en douce. Putain, je sais pas où on est, mais... carrément un village de rebelles. Y'a un vendeur dans le coin. Putain, elle est gigantesque cette... Ok, bon, en fait c'est des gardes, mais... Ouh. C'est fermé. Oh merde. Des coffres, moi je fouille les coffres. C'est un camp rebelle. Tout ce qu'il y a de plus normal.
Par contre, pour sortir, je ne sais pas. On va continuer par là-bas tant qu'à faire. Salut. J'ai un œil sur toi. Alors, ça s'ouvre cette porte ? Ah oui, ça s'ouvre. Waouh, mais c'est énorme votre truc là. Bonjour. C'est privé ici. C'est privé ? Vous êtes fou quoi ? Je vais vous soigner moi. Isia. Ah, je crois que j'ai fait un ennemi. Oh ! Non. Quittez ces lieux. Bon, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah, c'est l'heure de continuer par là. Donc faut que je trouve le bouclier des anciens. Putain, mais c'est énorme ici là. Tu penses que Raoz est assez protégé ? Nous sommes ici pour protéger Alia. Je serais surpris si quelqu'un réussissait à se protéger. Hein ? Oula, toi, il te manque une case, je pense. C'est l'auberge ici. Ouais, mais comment on sort de là? Moi, je voudrais bien sortir de là, mais. C'est bon, à part m'avoir mis un énorme coup dans le crâne. Je vais voir Alia. Elle est plus jolie baraque aussi, tant qu'à faire. Salut! Ramène-moi ce bouclier et Kraos sera à toi. Bon, ok, ok. Je suis quasi sûr que t'es la fille du roi, toi. Quasi sûr. Mais alors pourquoi ils ont volé la petite et tué la mère? En tout cas, ah, je suis pas allé là. J'ai un œil sur toi. Alors, je peux sortir? Une serrure. Ah putain. Il faut une clé. Bon, je peux pas sortir par là. Je ne peux pas sortir par là. Et là, la porte est ouverte. Oh, un vendeur! Bonjour! Tu peux m'appeler Red 7. Je m'occupe des armes et des armures dans le camp. Je les vends, je les achète. D'accord. Ouh, achat de main, 1587. Tu veux un peu de tout? Non, je peux tout te vendre. Ça, par exemple. Magère en or, 609. Oh, c'est quoi ça? Une épée de destruction? Oh là là. Ah merde, j'ai même pas assez pour m'acheter cette sublime arme. Masse de forgeron. Ouais. Et là, une chemise de maille. Oh. J'ai pas l'argent qu'il faut. Ah, ça coûte de. Ah, attends, fais voir. Peut-être vendre d'autres choses, tiens. Bouquin. Ah tiens, un bouquin. Non, j'avais plus besoin de ce bouquin. Tiens, je t'offre ça. Qu'est-ce que je peux te vendre d'autre? Pilon. Tu vends pas des bijoux, par exemple? Oh, les potions. Les potions de mana, par exemple. Je vais pas en avoir besoin. Voilà. Voilà. On a combien? 900. Les antidotes, peut-être qu'on va en avoir besoin. Oh là, les parchemins, ça coûte une fortune. Boule de feu, négation de chance. Oh, je vais peut-être garder la négation de chance, c'est jamais. Ouais, quoi que, fais voir. Non. Voilà, négation de chance, on la dégage. Qu'est-ce qui me pourrait éventuellement être vendu? Une pioche. Des torches. Oh, j'aurais dû les garder, ça coûte cher ça. 1998. Je veux l'espadon. Oh, elle est belle. Oh, je te vends ça. Fais voir. Oh. Oh là là là, regardez-moi cette. Oh là là là, le maçon. Le maçon ancestral. Le. Oh oui, oh oui, je la veux cette arme. C'est impeccablement bon ça. Par contre, la question ancestrale, c'est comment on sort? Comment on sort de là? Si je passe par là, à mon avis. Tu es fait comme un rat.
What? Fallait pas venir par là. Tiens. Oh là là. Fallait pas venir par là. Oh là là. L'épée de destruction. Ah, il se casse. Allez, on charge, parce que c'est pas bon. J'ai mon épée? Oui. Ok, bon, c'est pas grave, mes amis, c'est pas grave. Je suis un peu fatigué en ce moment. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce qu'on a quand même pas mal. Je vous laisse 3 secondes. Quittez ces lieux. J'ai des ordres. Oh, ça y est. C'est quoi ça? Une basque. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. C'est un petit moment quand même qu'on est dessus, sur Arx Fatalis. Je sais pas comment sortir de là, mais on va découvrir peut-être le poteau rose. Hein. Voilà, sur ce, on va vous dire de très gros bisous. Enfin, on va vous faire de très gros bisous. On va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, suivant comment vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde, c'était Héroïne.